Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour demain, nous attendons l'arrivée d'une perturbation qui sera située sur la mer du Nord. Et cette perturbation va venir gâcher notre week-end en apportant des pluies et aussi du froid qui sévit déjà d'ailleurs depuis hier et surtout depuis ce matin avec les premières gelées. Alors, comme vous pouvez le constater avec moi sur cette animation en satellite, ce qu'il se passe, c'est que nous subissons les effets d'un flux de Nord, donc en provenance de la mer du Nord, et cette dépression qui est là et qui va venir nous aborder dans la nuit de jeudi à vendredi, qui nous concernera déjà dès vendredi, mais également tout le week-end. Alors, les prévisions pour demain matin, eh bien, nous aurons les premières averses sur la Normandie. Le ciel sera très chargé sur les Hauts-de-France. Ce ne sera que sur la moitié sud du pays où le soleil sera encore relativement présent. Concernant les minimales, eh bien, elles sont en baisse et comprises entre 1 et 14 degrés. Nous aurons 1 degré pour Besançon, 2 degrés pour Dijon, 3 degrés pour Nancy, 2 degrés pour Charleville-Mézières. Donc sur le quart nord-est, des gelées sont possibles. Nous aurons 5 degrés ensuite pour Lille et le maximum sera de 14 degrés encore pour Nice ou pour Ajaccio. Concernant les prévisions pour votre après-midi, eh bien, la perturbation continue sa progression. Dans un premier temps, elle ne donnera toujours pas de pluie ou alors très localement. En revanche, les pluies persisteront sur la Normandie et sur la moitié nord. Vous voyez bien que le ciel se couvre très largement. Sur la moitié sud, le soleil continue de persister. Alors concernant les maximales, eh bien, elles seront comprises entre 6 et 20 degrés. Nous aurons 6 degrés le minimum pour Charleville-Mézières, 12 degrés à Paris, 12 degrés pour le Pays Nantais, 20 degrés, ce sera le maximum pour Agen. Alors concernant votre tendance, eh bien, pour ces deux prochains jours, le temps sera très perturbé sur l'ensemble du pays. Cette perturbation va nous traverser de long en large sans épargner personne. Quant aux températures, elles continueront de baisser. Pour la suite, les pluies continueront de tomber en début de semaine avant une petite amélioration pour mardi où le soleil reviendra sur quasiment l'ensemble du pays. En parallèle, le thermomètre continue de descendre et une moyenne de 0 à 1 degré sera atteinte en matinée pour la moitié nord durant plusieurs jours. Les gelées, seront donc nombreuses. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin d'après-midi. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau bulletin météo. À bientôt.